Le jeune homme que vous voyez avec sa valise à la main, c'est moi, François. J'ai 19 ans et je viens à peine d'arriver en France. Mes parents étaient des grands admirateurs de François Mitterrand depuis sa visite officielle en 1982. Lui, derrière, c'est mon père. 15 ans avant ma naissance, mon destin était déjà lié à la France. Mon père ne cessait de répéter les discours de notre cher président. L'amitié franco-africaine n'est pas une affaire d'esprit léger. Je n'avais jamais vraiment compris cette phrase avant aujourd'hui. Hey, vous n'êtes pas obligé de me sous-titrer. Un ami de mon oncle m'avait parlé d'un certain monsieur Mbouma, un riche homme d'affaires qui pourrait me louer un appartement. Chez moi, toutes les personnes fortunées sont connues, mais apparemment ce n'est pas vraiment le cas ici. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Je cherche monsieur Mbouma. Monsieur Mbouma? Non, je n'ai pas monsieur Mbouma, désolé monsieur. Excusez-moi, bonjour. Je cherche M. Mbouma, vous le connaissez? Excusez-moi, bonjour. Je cherche M. Mbouma. M. Mbouma. Ah, M. Mbouma? Oui. Et vous cherchez pourquoi? Il doit me louer un de ses appartements. Ah, d'accord, c'est super ça. Vous savez où il habite? Mais bien sûr. Attends, je vous note son adresse. Et c'est un gars très cool. Il est super sympa. Il a une grande taille comme ça. Tiens, c'est son adresse. Merci. Et c'est facile, hein? Vous prenez la métro en face, la première sortie de la métro, et vous allez voir un grand immeuble. C'est là-bas où se trouve M. Mbouma. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Et vous passez un bon jour de ma part, M. Franck. Bonne chance, au revoir. Ma main ne bipait pas comme celle des Blancs, mais ce n'était pas ma seule déception. Oui, je cherche cette adresse. Eric Mouma, vous êtes bientôt arrivé, c'est juste derrière. Juste derrière, arrivé au carrefour, c'est juste derrière. Ok, merci. Ok, au revoir.
Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes Michel Mbouma? Oui. Je suis François, je cherche un appartement à louer. Ah, d'accord, je descends. Merci. Monsieur Mbouma? Monsieur Mbouma? Oui. Un ami de mon oncle Abdoulaye m'a dit que vous louez des appartements. Ah oui, c'est vrai, oui. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Merci. Puis vous allez voir, François. C'est un très bel appartement. À droite, une magnifique cuisine. Avec un superbe évier, des placards immenses, et une gazinière dernier cri. Plus besoin de briquet ni d'allumettes. Vous venez, François ? C'est bon, François, laissez votre valise, venez. Ici, de confortables toilettes. Qu'est-ce que vous faites? Gardez vos chaussures, voyons. Et là, une magnifique salle de bain. Entrez, je vous en prie. Avec une grande douche, un mitigeur. Alors faites attention parce que l'eau chaude arrive très vite. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Puis l'appartement est libre de suite. Pour seulement 450 euros par mois. Il y a une dame de ménage? Une dame de ménage? On a toute une série. On a ce modèle-là. Ce modèle-là. Ce modèle-là, ce modèle-là, mais surtout, nous avons ce modèle-là. Vous m'écoutez, François? Si vous êtes preneur, vous devrez me ramener plusieurs documents, c'est une simple formalité. Copie de votre passeport, copie des derniers bulletins de paie, copie de vos derniers avis d'imposition, le chèque pour le premier loyer, un RIB, votre code de carte bancaire, votre titre de séjour, votre livret de famille, une photo du président, votre carnet de vaccination, une attestation de la CPM, vos derniers diplômes, une radiographie du crâne et bien entendu un livre avec toutes les photos de joueurs de l'équipe de France. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Je vous apporte les papiers dans la semaine. Dans ce cas, elles sont à vous. Merci.
c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Cette première journée n'a pas été de tout repos. Mais là, qu'est-ce que je suis bien. Je me sens prêt à relever tous mes prochains défis. Je me sens prêt à relever tous mes prochains défis. Je me sens prêt à relever tous mes prochains défis. Je me sens prêt à relever tous mes prochains défis. Je me sens prêt à relever tous mes prochains défis.